cancer à l'Université de Montréal à l'École de santé publique. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cet atelier qui vise essentiellement à informer des pistes d'action suite à une recherche qu'on a menée au cours de la dernière année. On s'est posé comme question, suite à plusieurs études dans le centre et au bac, et à regarder qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce que la santé publique soutient comme action sur les ressources communautaires, on s'est posé comme question, mais que sait-on exactement de ce qui, dans les milieux de vie, accroît la santé des gens qui y vivent? On est parti avec cette question-là. On investit dans les loisirs, on investit dans du développement économique communautaire, on investit dans de la mobilité durable. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer de grands investissements dans la mobilité durable. Mais en bout de ligne, comment c'est lié à la santé, ce truc-là? Et quels seraient les investissements payants d'un point de vue sanitaire? Donc, dans le but de répondre à ces questions-là, on a obtenu un financement, puis il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que c'était probablement pas Provigo qui nous a financé, effectivement, ni Ford Canada. On a eu un financement des Instituts de recherche en santé du Canada, donc vous avez financé cette étude-là, de même que l'ensemble des Canadiens. Et c'est une étude qui est essentiellement littéraire, dans le sens où on est allé fouiller en profondeur dans la littérature publiée. On va en reparler tout à l'heure, mais essentiellement ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est présenter ces résultats-là et les discuter avec vous. Avant de commencer les ateliers de cet après-midi, on va tout d'abord présenter le projet de recherche lui-même. Et après une brève entrée en la matière, on présentera de manière assez superficielle la méthodologie. Si vous avez des questions, vous viendrez nous voir après. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le but de faire un focus sur la méthode. Et on présentera ensuite les résultats pour 4 domaines, ceux qui sont affichés là. On va venir parler de ces 4 domaines et on terminera par des perspectives et conclusions avant de laisser place aux discussions. On va commencer par parler un petit peu de la répartition spatiale et des inégalités sociales de santé. Cet exemple commence à être un petit peu vieux, mais je pense qu'il est assez bon pour illustrer la répartition spatiale inégale de la santé à Montréal en particulier. Donc, on voit que si l'espérance de vie est de 81 ans en moyenne sur l'île de Montréal, on voit qu'il y a des grandes différences entre territoires, avec notamment des territoires dans lesquels l'espérance de vie est significativement inférieure à la moyenne. Donc, par exemple, dans Hochelaga-Maisonneuve avec 74 ans. Par ailleurs, il y a certains quartiers en vert où on a des espérances de vie qui sont significativement supérieures à la moyenne et on va même jusqu'à 85 ans d'années de vie d'espérance à la naissance dans des territoires comme Saint-Laurent, je pense, si je ne me trompe pas. Donc on voit qu'il y a un écart de plus de 10 années entre les territoires les plus extrêmes. Il existe 2 hypothèses fondamentales pour expliquer ces différences. La première, c'est l'effet de composition. Et ici, selon cette hypothèse, les différences spatiales, en fait, sont attribuées en santé, elles sont attribuées aux caractéristiques individuelles des personnes qui vivent dans les quartiers. En d'autres termes, qui se ressemblent, s'assemblent. L'autre hypothèse, c'est l'effet contextuel. Et selon cette hypothèse, l'environnement dans lequel les gens vivent est composé d'éléments qui peuvent ou non promouvoir la santé à travers les possibilités qu'ils offrent. On parle en général de structures d'opportunités ou même de ressources locales. On sait par ailleurs qu'il y a une relation récursive entre le contexte et la pratique sociale. Les deux sont clairement, ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Donc le contexte, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit ou le quartier, donc le contexte fournit des ressources sociales et matérielles et qui permettent de construire sa santé. Et dans le même temps, les gens, à travers leurs actions, reproduisent ou modifient ce contexte.
Ça, c'était une petite introduction un peu théorique pour situer le projet. Si on regarde maintenant notre méthodologie, donc tout a commencé en fait quand on est parti du fait que nous avions. C'est là. À Montréal, on a plusieurs partenaires qui travaillent, qui investissent dans des ressources. Qui visent à soutenir l'action intersectorielle locale favorable à la santé pour réduire les inégalités sociales de santé. À Montréal, il y a principalement 7 domaines qui sont investis, l'environnement alimentaire, la vie communautaire, la mobilité durable, les conditions de logement, le développement de l'être humain, le développement socio-économique et l'aménagement urbain. Aujourd'hui, on va vous présenter les résultats pour 4 domaines dont on a des résultats. On n'a pas les résultats des 3 autres encore. Et les questions de recherche qu'on se posait, on se posait 2 questions de recherche. Tout d'abord, est-ce que les domaines qui sont investis localement actuellement sont les plus pertinents et les plus efficaces pour promouvoir la santé et réduire les inégalités sociales de santé? Et d'autre part, Louise l'a un peu dit précédemment, c'est dans ces domaines, quelles sont les ressources qui sont liées à l'état physique, à l'état de santé physique et mental. Les objectifs de notre étude étaient doubles. Il s'agissait d'une part de fournir une mise à jour rigoureuse et de la connaissance scientifique sur les associations entre les ressources des domaines d'action locales et l'état de santé physique mental, l'état de santé physique et mental des populations. Au vu de la quantité de connaissances qu'il y avait dans la littérature, on a décidé de faire une synthèse de revue de la littérature. Donc, non une simple revue de la littérature d'études primaires, d'études originales. Je vais y revenir un petit peu après, mais c'est important de noter cette différence. C'est une synthèse de connaissances. Et d'autre part, l'objectif était de co-développer un outil d'aide à la décision et puis de nourrir les résultats en collaborant avec des utilisateurs de connaissances, et c'est notamment ce qu'on va faire aujourd'hui pour finir de compléter nos feuillets et trouver des pistes d'action. Donc, pour développer une revue systématique de synthèse de connaissances, on a développé une stratégie rigoureuse et standardisée à la fois pour la recherche bibliographique, la sélection des articles et aussi l'extraction des données. Donc, quelques critères de sélection que nous avons appliqués. On a d'abord ciblé toute la population générale. On a ensuite recherché les synthèses qui portaient sur la relation qui existe entre les ressources de l'environnement et l'état de santé. Donc, on a appliqué, en fait, on a fait 4 synthèses, puisqu'on a appliqué le même processus, la même procédure aux 4 domaines qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et finalement, on s'est concentré sur les revues qui portent sur les quartiers urbains dans les pays de l'OCDE. On n'a pas considéré les pays en voie de développement ou en développement. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une synthèse de connaissances. Donc, on a considéré des revues systématiques. On a considéré aussi tout type de recension de la littérature, et ce ne sont pas, on n'offre pas des revues de revues originales, de revues primaires. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on porte, nos travaux portent sur les ressources de l'environnement et non pas sur des facteurs individuels. Par exemple, pour le domaine de l'environnement alimentaire, on a retenu les études qui parlaient du lien entre l'obésité, par exemple, et puis la présence dans les quartiers de restaurants minutes, de dépanneurs ou de supermarchés. On n'a pas retenu les études qui évaluaient le lien entre l'obésité et la consommation de fruits et légumes par les personnes. Donc, c'était vraiment pas au niveau individuel, les comportements individuels, mais vraiment au niveau de l'environnement, ce qu'offre l'environnement. Et par ailleurs, nous n'avons pas retenu les évaluations d'intervention. Concernant les variables de santé qu'on a considérées, on a considéré essentiellement 3 grands groupes de variables, de morbidité, donc plusieurs variables de morbidité, de comportement à la santé et puis d'état de santé perçu. On le décrira plus rapidement tout à l'heure.
plus précisément tout à l'heure. Je vous présente ici un exemple du processus de sélection que nous avons appliqué. Donc, on a fait une recherche bibliographique dans environ 10 bases de données pour chacun des 4 domaines. Donc là, pour l'environnement alimentaire, ça nous a permis de repérer environ 4000 études. Après une série de filtres toujours faits par 2 personnes, on a inclus 21 synthèses. Donc ce schéma très détaillé, en fait, il est synthétisé dans les feuillets, comme ceci. Et ensuite, pour chacune des revues incluses, on a évalué la qualité avec un outil qui s'appelle Amstar. Et donc on a recueilli, on a catégorisé les revues de qualité moyenne, bonne ou plutôt mauvaise. Et aujourd'hui, on présentera que les résultats issus de revues de qualité bonne ou moyenne. On a eu quelques défis à la fois pour synthétiser et pour présenter l'hétérogénéité des résultats qu'on a retrouvés, et notamment pour la qualité des revues. Donc c'est ça, je viens d'en parler. Donc on a défini 2 tailles. Les revues de bonne qualité seront indiquées par un grand cercle et les revues de moyenne qualité par un petit cercle. Concernant les types de population, on a différencié les jeunes, les adultes, puis tous les groupes sans distinction. Et finalement, pour le sens de l'association, vous avez eu peut-être le temps de faire le tour des affiches, mais je vais revenir rapidement dessus pour que tout le monde ait la même compréhension des picots et des couleurs. Alors, d'une manière générale, les résultats verts représentent des tendances favorables, des relations favorables entre une ressource et l'état de santé, alors que les oranges et rouges sont plutôt défavorables à la santé. Ensuite, quand c'est vert foncé, c'est clairement favorable, c'est que plus des 2/3 des synthèses ont conclu à une relation favorable avec la santé. Les tendances favorables, c'est quand il y a moins des 2/3, mais qu'il n'y a tout de même pas de résultats négatifs, de résultats défavorables à la santé. On a le même genre de codage pour les tendances défavorables avec le 2/3, 1/3. Et pour les revues qui concluent à des effets à la fois négatifs, défavorables et favorables pour la santé, on les a classés comme inconsistants. Là, c'est les résultats généraux. Je ne veux pas parler, on va aller très vite dans le détail des résultats, juste pour dire qu'en fonction des domaines, finalement, les variables de santé sont assez différentes. Il n'y a pas de variables de santé qui sont spécifiques à tous les domaines. Donc, la vie communautaire. On a d'abord commencé par définir ce qu'on entendait par la vie communautaire. En bon chercheur, faut définir le carré de sable. Puis notre carré de sable de vie communautaire, c'est un ensemble de relations sociales ayant lieu au sein d'un espace géographiquement limité. Donc, sous le signe d'une réciprocité informelle, sur le signe de c'est pas parce que je m'attends à ce que vous me redonniez ma tasse de sucre que je vais aller vous emprunter une tasse de sucre, mais parce qu'éventuellement, votre autre voisin va avoir besoin de votre tondeuse à gazon puis vous allez la lui prêter. Donc, c'est ça la réciprocité informelle. C'est-à-dire, c'est pas le bien qui est échangé qui est important, mais c'est la relation qui est réifiée dans l'échange. Et dans la littérature, c'est souvent abordé sous l'angle soit de la cohésion sociale ou du capital social. Ici, il faut... Puis ça vaut pour tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Ce n'est pas le support social dont les individus bénéficient individuellement dont il est question ici, mais bien la cohésion sociale d'un quartier, le support social dans un quartier, le capital social qu'il y a dans un quartier. Et non pas sur les états de santé des individus, mais sur l'état de santé des indicateurs populationnel de l'état de santé dans les quartiers. Ça, c'est la recherche bibliographique qu'on a fait, mais essentiellement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a repéré 2066 documents, et à travers tous nos filtres, on en a retenu 7. Et de ces 7-là, il y en avait 5 de qualité moyenne et 2 de très bonne qualité. La raison pour laquelle on est parti d'un très grand nombre pour arriver à un relativement petit nombre, c'est que la plupart des études qui ont été réalisées dans ce domaine-là,
c'est des études faites par des psychologues qui s'intéressent à la santé des individus compte tenu du support social dont ils bénéficient. Ça, c'est connu, il y a des centaines de revues de littérature là-dessus. Mais quand on se pose comme question, d'un point de vue populationnel, dans un quartier, est-ce que la cohésion sociale du quartier est associée à une meilleure santé pour l'ensemble des individus? Bien, on a trouvé cette revue qui s'était posée cette question-là. Et on voit que dans ces revues-là, on a posé effectivement comme ressources des ressources de type capital social, cohésion sociale, environnement social, sens de la communauté, sentiment de confiance dans la communauté. On n'a rien trouvé sur la participation sociale, c'est-à-dire dans quelle mesure les gens s'engagent dans les organismes de leur quartier. Sur les états de santé qui ont été examinés, on a trouvé des choses sur l'activité physique, la santé cardiovasculaire, la santé mentale, le poids santé, le comportement de santé, la santé perçue, et on n'a rien trouvé sur ça. Okay? Donc, vous vous rendez bien compte qu'on est tributaire totalement de ce que les chercheurs dans le monde font comme étude. Okay? Non seulement de ce qu'ils font comme étude, mais de ce qui a été ramassé pour en faire une synthèse dans une optique, probablement, de santé publique fondée sur les données probantes. Voici ce qu'on a trouvé. Chaque point représente une revue. Les grands points, revue de qualité. Les petits points, revue de qualité moyen. Les variables dépendantes, donc les variables de santé sur lesquelles on a essayé de voir la relation avec ces ressources-là. Il y a une sérieusement bonne nouvelle dans ce graphique-là. Si on investit dans les ressources de la vie communautaire, on n'a pas de chance de faire du mal à qui que ce soit. Il n'y a pas de point rouge. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que c'est le seul des graphiques qu'on présente dans lequel il n'y a pas de point rouge. Ce qui est intéressant, c'est en fait représentatif de ce qui a été étudié, c'est qu'on a étudié beaucoup, beaucoup dans le cadre des études sur la prévention des maladies cardiovasculaires, ce qui se passait dans les quartiers. Et ce qu'on a trouvé, effectivement, c'est qu'une association entre la qualité des interactions sociales, la cohésion sociale et le voisinage, le capital social, dans des études de très bonne qualité, et pour à peu près l'ensemble de la population, une association entre, effectivement, ces ressources-là et un poids santé. On n'a rien trouvé avec la santé mentale, la seule revue était autour des personnes âgées, et quand on parle de santé mentale pour les personnes âgées, on parle aussi beaucoup souvent de problèmes cognitifs, etc., etc., alors que quand on a essayé la dépression sur l'ensemble de la population, on a trouvé des relations positives entre, effectivement, un bon voisinage en termes de capital social et qui protège contre la dépression. Et aussi, on a trouvé des associations positives aussi avec la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, effectivement, la littérature, le petit peu d'études qui ont été conduites et qui ont été synthétisées pour poser la question « Est-ce que les ressources de vie communautaire dans les quartiers sont associées à une meilleure santé? » La tendance est de dire « Oui. » Comme ça. Je vais vous inviter à noter sur les post-it ce qui vous frappe dans ces résultats-là, qu'est-ce qui vous interpelle, est-ce que ça va à l'encontre de ce que vous pensiez, est-ce que ça confirme ce que vous pensez, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit suite à ces résultats-là. Et puis, je vais inviter Geneviève, je crois. Hein? Non? Ah, oh, c'est toi? Check dans moi. Ben oui. Encore.
C'est bon, Ginette? Parfait. Donc, effectivement, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du domaine du logement. Donc, le logement au sens large comprend trois principales dimensions. La première dimension, qui est la dimension symbolique, qui renvoie essentiellement au sentiment d'avoir un chez-soi ou de se sentir à la maison. La deuxième dimension, qui est la dimension environnementale, qui situe le logement ou la maison ou l'endroit où on vit dans un environnement de vie plus large, comme un quartier. Et finalement, la troisième dimension, la dimension matérielle, c'est la dimension à laquelle on s'est limité pour cette méta-revue de la littérature, principalement pour des raisons de faisabilité. Et la dimension matérielle comprend quatre points de définition. Le premier, l'intégrité matérielle de la maison, par exemple, les réparations qui sont à effectuer. Le deuxième, l'exposition de ses occupants à des matériaux physiques, biologiques et chimiques dangereux, qui essentiellement va avoir un impact sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau ou la température dans la maison. Le troisième point de définition, le caractère abordable du logement. Et finalement, le dernier point, les forces des marchés de l'habitation, comme par exemple en situation de crise immobilière. Vous voyez ici un exemple de notre stratégie de recherche, à partir de laquelle on a obtenu un peu au-delà de 2605 documents. On a appliqué nos critères d'inclusion et on a retenu au final 19 synthèses de la littérature, pardon, dont 5 de bonne qualité, 12 de moyenne qualité et 2 de faible qualité qu'on a exclu pour la présentation des résultats plus loin. Alors, dans nos 19 synthèses, on a des connaissances disponibles sur différentes ressources de l'environnement que vous voyez à la gauche de la diapositive. Donc, ces ressources de l'environnement liées au logement se divisent en trois principaux blocs. Un premier bloc qui comprend des variables qui ont un lien avec la qualité de l'air. Un deuxième bloc, environnement physique, qui comprend surtout des indicateurs de la présence ou de l'absence d'espace privé. Et un dernier bloc, qui est l'environnement matériel, qui est une étude qui s'est intéressée à la détresse financière en situation de saisie immobilière. On n'a pas obtenu de résultats dans nos 19 synthèses sur certains aspects du logement qui sont sur la droite, le surpeuplement, les infestations, l'organisation de l'espace physique, l'accessibilité, comme l'accessibilité au logement social, et le caractère abordable du logement. Même chose au niveau des variables de santé. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à la santé respiratoire et quelques autres au cancer du poumon, à l'activité physique, à la santé cardiovasculaire, à la santé mentale. Je vais laisser passer mademoiselle. Et ce qui figure sur la droite de la diapositive sont les variables de santé pour lesquelles on n'a pas de résultats, c'est-à-dire qu'on ne les a pas retrouvées dans nos synthèses de la littérature. Maintenant, on regarde les résultats. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, ce sont les ressources liées au logement ici. Ils sont divisés selon les trois blocs dont je vous parlais tout à l'heure. Ça ne doit pas être tellement clair pour les gens au fond. Mais en fait, qualité de l'air, environnement physique et environnement matériel. Et on les a mises en relation, ces ressources-là, avec différentes variables de santé dans chacune des colonnes ici. Les petits symboles représentent finalement les populations visées dans chacune des synthèses. Donc, la première chose qu'on remarque en regardant les résultats, c'est qu'il y a beaucoup de points situés sur la gauche du tableau. Donc, il y a beaucoup de synthèses qui se sont intéressées aux associations entre la qualité de l'air et la santé respiratoire, et particulièrement chez les enfants. Si on prend les deux premières lignes ici, là, dans le bloc de qualité de l'air, la première représente l'exposition des polluants biologiques, donc les moisissures et l'humidité. Et la deuxième, l'exposition des polluants chimiques les plus étudiés. Ce sont des polluants, par exemple, qui peuvent provenir de systèmes de chauffage déficients ou encore se retrouver, des produits chimiques qui vont se retrouver dans les matériaux de construction, dans les isolants, dans les meubles, dans la maison. Donc, on remarque beaucoup de rouge, surtout ici, ce qui indique des associations défavorables, clairement défavorables, entre l'exposition à ces polluants-là et la santé respiratoire, et particulièrement chez les enfants. Ce que vous remarquez aussi, c'est deux petits points verts ici qui sont des synthèses de la littérature qui démontrent exactement le contraire. Donc, comment c'est pas, c'est-à-dire des relations favorables entre l'exposition des polluants biologiques et la santé respiratoire chez les enfants. Comment c'est possible de trouver une chose et son contraire? Ce qui est soulevé finalement comme hypothèse dans ces deux études-là ici, c'est que c'est possible que la forte exposition à des polluants biologiques en bas âge, c'est-à-dire à l'humidité et les moisissures, créer une adaptation du système immunitaire chez les enfants qui s'avère être protectrice contre le développement de maladies d'origine allergique, dont certaines formes d'asthme,
qui entrent dans la grande catégorie de la santé respiratoire. Donc, on voit que dans certaines situations, les associations peuvent être favorables, mais dans la grande majorité, on remarque plutôt des relations clairement défavorables. Alors, si on poursuit avec les autres ressources là, qui ont un lien avec la qualité de l'air, on voit plutôt beaucoup de points gris, c'est-à-dire des synthèses qui rapportent des résultats inconcluants, à l'exception du radon, ici, qui a été associé de façon clairement défavorable au cancer du poumon chez les adultes. On passe au deuxième bloc, l'environnement physique. Donc, comme je vous disais, dans ces études-là, on a retrouvé surtout des indicateurs de plus ou moins d'espace privé, comme par exemple le fait d'avoir sa propre entrée, d'avoir une cour privée, d'avoir un espace jardin, etc. Donc, on voit qu'il y a une étude de bonne qualité ici qui démontre des résultats inconcluants entre ces indicateurs-là et l'activité physique chez les enfants. Et il y a une étude de moyenne qualité qui a retrouvé des associations plutôt défavorables entre des indicateurs de moins d'espace de vie privée et la santé mentale chez les adultes. Et je termine avec le bloc environnement matériel ici. Comme je vous disais, c'est une étude qui s'est intéressée à la détresse financière dans le contexte de la crise immobilière aux États-Unis en 2008 et qui a démontré des associations clairement défavorables entre la détresse financière et la santé cardiovasculaire et la santé mentale chez les personnes plus âgées. Alors, ça termine pour le bloc logement. De la même façon que Louise, je vais vous inviter à noter sur les gros post-it jaunes les résultats, là où les résultats qui vous interpellent le plus pour le bloc logement. On va tranquillement passer au domaine suivant, si c'est correct pour vous. Alors, la mobilité durable. Je vais commencer par dire que c'est Véronique Deslauriers, qui a une étudiante de Louise, qui a fait ce travail. Donc, je vais essayer de mon mieux, du mieux possible, de traduire et de transcrire ces résultats. Alors, la définition qu'on a adoptée pour la mobilité durable. Donc, c'est un trait distinctif du transport qui inclut des aspects à la fois de la conception et de la planification urbaine. Donc, on définit la mobilité comme les déplacements des biens, des services et des personnes au sein d'un environnement bâti qui est caractérisé à la fois par une certaine occupation du sol et par des modes de transport. Et les trois dimensions principales qu'on a considérées pour l'environnement bâti sont la densité, la diversité et la conception design. Comme pour les autres études, voilà un exemple de stratégie de recherche bibliographique sur les 1671 synthèses qui ont été repérées initialement, on en a retenu 24, dont 5 de bonne qualité et 14 de qualité moyenne sur lesquelles on va baser nos résultats. Concernant les ressources dans l'environnement, ce qui est ressorti, qui était présent dans les synthèses dans la littérature, donc on a eu des connaissances disponibles à la fois sur différents types de variables comme les territoires à vocation multiple, le potentiel de marche, les aménagements facilitant la marche et le vélo, les trottoirs, mais aussi plusieurs variables concernant la densité, que ce soit la densité du trafic, des connexions entre les rues ou la vitesse et le volume de circulation, mais aussi des mesures d'apaisement, la circulation, les passages piétonniers, stationnement de rue et l'accès au transport collectif. Mais on n'a pas retrouvé dans ces synthèses-là disponibles dans la littérature, d'informations ou de revues qui portaient sur le transport alternatif, comme le covoiturage par exemple, le transport de marchandises ou le partage de la route. Concernant les variables d'état de santé, on a recueilli des informations sur l'activité physique. On est dans la mobilité durable, donc c'était assez envisageable, mais également sur la dépression, le poids santé et puis les blessures, traumatismes. Mais on n'a pas eu d'informations sur d'autres maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc., ou d'autres comportements de santé ou la santé perçue. Les résultats. Donc sur les 24 revues qui ont été incluses, ça représente un corpus en réalité de 218 études primaires. Donc c'est vraiment une grosse source d'informations. Donc ces 24 synthèses qu'on a retenues, ce qu'on peut voir globalement, c'est que la population qui est la plus souvent étudiée dans ces synthèses-là, c'est les enfants.
on le voit ici aussi, c'est les enfants. L'autre chose qu'on voit, c'est que la variable de santé qui est le plus souvent mentionnée qui ressort le plus souvent dans ces synthèses, c'est l'activité physique, quelle que soit la population. Si on entre un peu plus dans le détail, on voit que si on regarde les études de bonne qualité, donc les gros points, on voit que globalement, les résultats sont tous verts, à part un ici, et qu'on a du rouge dans la colonne des traumas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien évidemment, ce qu'on peut se dire en réalité, c'est que les variables, par exemple les territoires à vocation multiple, les trottoirs ou les passages piétonniers ici, la relation défavorable vers la santé qu'il y a avec les traumas, les traumatismes, on peut se dire qu'en réalité, cette ressource-là est plutôt un facteur de confusion. C'est plutôt un indicateur d'une plus grande, un plus grand volume, une plus grande densité du trafic de voitures, par exemple, une plus grande densité dans le volume de piétons qu'il y a à ces endroits-là. Ce qui explique que plus on augmente le volume de piétons, parce qu'il y a un trottoir, les gens vont y aller, forcément, il y aura plus de risques d'avoir des accidents. Donc, on a ici un résultat défavorable pour la santé. En revanche, on voit que toutes ces ressources qui sont défavorables dans le sens où il y a plus de risques d'avoir des accidents, elles sont aussi par ailleurs toutes favorables à la santé, à la santé dans le sens qu'elles favorisent la marche ou l'activité physique d'une manière générale, soit marche, vélo, etc. Donc globalement c'est positif. Et on peut se dire que très certainement, c'est en mettant des mesures en s'assurant d'avoir des mesures de circulation et de sécurité routière un peu plus poussées, qu'on pourrait mieux sécuriser ces endroits, les passages piétonniers ou les territoires à vocation multiple, pour protéger les enfants, parce qu'on veut qu'ils fassent de l'activité physique et qu'ils marchent. Donc ça, c'était un exemple. On voit aussi que, d'une manière générale, effectivement, tout le potentiel de marche ici, c'est un des rares exemples où il n'y a vraiment que du vert, que des résultats qui sont clairement favorables à la santé. Et là, donc, c'est à l'activité physique. L'autre chose qu'on peut remarquer aussi, c'est les mesures d'apaisement de la circulation ici. On voit que ça a un impact, une relation plutôt favorable à la santé, dans le sens où quand il y a des mesures d'apaisement de la circulation, ça augmente la marche à pied, l'utilisation du vélo. Et on voit aussi, de manière intéressante, que c'est plutôt favorable parce que ça réduit le risque de trauma. Donc ça, c'est une autre piste, une autre avenue à envisager. Et finalement, la plupart des résultats des études de moyenne qualité présentent des résultats inconsistants, c'est-à-dire qu'ils présentent à la fois des résultats positifs ou négatifs pour les résultats de santé qui sont présentés ici. Donc on n'a pas pu vraiment interpréter ces résultats-là. Alors je vais vous laisser quelques instants pour noter les résultats qui vous interpellent le plus. Alors, moi, je vais vous présenter les résultats pour l'environnement alimentaire. Alors, tout de suite, pour vous présenter la définition qu'on a adoptée pour l'environnement alimentaire, on a adopté une définition très large de l'environnement comme étant l'ensemble des facteurs physiques, sociaux, économiques, culturels et politiques qui vont régir l'accessibilité, la disponibilité, le caractère adéquat ou l'acceptabilité, si vous préférez, des aliments dans un quartier. Donc, on peut penser ici, par exemple, à l'accès géographique aux aliments. On peut penser aussi à l'accès économique. On peut penser aussi aux expériences des gens quand ils sont en contact avec ces ressources-là, avec les ressources alimentaires de leur quartier. Donc, cette définition large nous a amené à opter pour toute une série de mots-clés pour nous guider dans la recherche bibliographique. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, dans une des 11 bases de données où on a fait les recherches, ces 11 bases de données-là nous ont
le petit rouge. Alors, ces mots-clés nous ont amenés à répertorier 3900 quelques revues différentes. Le tri nous a amené à retenir seulement, mais c'est quand même un bon corpus, 21 synthèses de la littérature. Et parmi ces 21 synthèses, une bonne moitié était de qualité moyenne. Il y en avait 6 qui étaient de faible qualité, puis seulement 3 qu'on peut dire qui étaient de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pour les ressources de l'environnement alimentaire, donc notre variable indépendante, on a trouvé des connaissances disponibles surtout sur l'accès à différents types de commerces. Donc, que vous avez listé dans la colonne de gauche et quelques autres indicateurs de ressources. Donc, je vais les lister avec vous, les supermarchés, épiceries, dépanneurs, restaurants minutes, autres types de restaurants. On a aussi une équipe de chercheurs ici qui s'est intéressée à créer un index de la composition ou de la qualité du paysage alimentaire dans un quartier. Donc, tu sais, le ratio entre la quantité d'épiceries et de commerces par rapport à des commerces qui vendent plus de la malbouffe comme des dépanneurs. On a aussi un petit peu de résultats sur la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire dans les commerces, sur le coût des aliments. Et bon, pour l'environnement alimentaire, on a aussi des indicateurs où est-ce qu'on va demander à la population de qualifier comment elle perçoit les opportunités d'achat d'aliments sains ou malsains. Donc, c'est ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas trouvé, malheureusement, on n'a pas trouvé de résultats pour des ressources peut-être un peu moins conventionnelles. Donc, pour l'agriculture urbaine ou par rapport à des initiatives de distribution en circuit court ou bien par rapport à la disponibilité de ressources communautaires en sécurité alimentaire. Au niveau de l'état santé, c'est la revue probablement qui a des résultats les plus limités en termes d'état de santé qui ont été mesurés. Donc, on a différents types de comportements alimentaires qu'on a regroupés sous alimentation saine. C'était souvent la consommation de fruits et légumes qui était mesurée comme résultat. Puis, on a aussi des résultats par rapport au poids santé, mais on n'en a pas pour d'autres indicateurs de morbidité. On n'en a pas non plus pour la perception de l'état de santé physique et mentale et des indicateurs de bien-être. Alors, dans les 4 revues, c'est celle où est-ce qu'il y a le plus de couleurs. Donc, on a un arc-en-ciel de résultats. Il y a peut-être 3 résultats sur lesquels je vais vouloir attirer votre attention. Donc, ça fonctionne. Si vous avez votre fiche devant vous, on a ici la liste des ressources. Et ce qu'on voit ici, c'est les revues pour lesquelles on a le plus de résultats. Donc, on a beaucoup de résultats pour l'accès à différents types de commerces. Puis, on a moins de résultats pour d'autres types d'indicateurs de l'environnement alimentaire qui nous parlent du coût ou de l'acceptabilité ou de la qualité de l'offre. On a aussi des résultats pour le poids santé et l'alimentation saine. On a plus de résultats pour... en fait, des synthèses ont souvent agrégé les résultats pour la population, tout type de population, adultes, enfants ensemble. Mais on a aussi des résultats pour les enfants et des résultats pour les adultes seulement. Une autre chose aussi qu'il faut dire, la qualité des revues. Donc, on a un petit peu plus de revues de bonne qualité lorsque le résultat de santé étudié était le poids comparativement à l'alimentation. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on obtient de tout ça? Peut-être 3 choses. Merci, Ginette. Il y a beaucoup de gris. Donc, ce qu'on peut dire globalement, c'est que nos résultats sont inconsistants. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre cette relation-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation. Ça veut dire que les résultats sont inconsistants. Donc, soit que ça va dans tous les sens ou soit qu'on ne trouve carrément pas de relation et on n'est pas capable de conclure. 2 tendances sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. D'une part, à la ligne des supermarchés, on peut voir quand même une certaine prédominance de vert. Donc,
on pourrait, ce qu'on peut dire, c'est que l'accès à des supermarchés semble être associé favorablement au poids santé et à l'alimentation saine, d'une part. Par contre, l'accès à des restaurants minutes semble être associé défavorablement au poids santé. Et on peut dire aussi que l'accès aux dépanneurs également semble être associé au poids santé et à une alimentation moins saine chez les enfants. Donc, grosso modo, ça serait les trois résultats qui seraient à retenir. Pour les autres résultats, il y a peut-être une piste prometteuse pour pouvoir qualifier l'environnement alimentaire de façon un petit peu plus large que seulement un type de commerce à la fois. Donc, ce type d'indice-là est prometteur. Pour ce qui est du reste, ici, on a quelques résultats qui semblent nous indiquer que plus la qualité de l'offre alimentaire est adéquate, plus l'alimentation est saine. Et quelques résultats, lorsque les gens perçoivent beaucoup d'opportunités d'acheter de la malbouffe, bien, ça semble être associé défavorablement avec leur alimentation. Donc, quel résultat vous interpelle le plus? C'est encore moi. Je vais vous donner quelques mots de conclusion et quelques perspectives. Tout d'abord, qu'est-ce que nous apportent les synthèses de connaissances en termes de force et faiblesse, en termes d'avantages ou inconvénients? Tout d'abord, c'est une quantité incroyable de données. Si on regarde au total sur les quatre domaines, on a sélectionné 61 synthèses de connaissances, ce qui représente plus de 700 articles d'études primaires. Donc c'est quand même une quantité incroyable d'informations qui a été synthétisée. Mais en revanche, on a quand même observé une grande variabilité dans plusieurs choses, et notamment dans les concepts utilisés, dans les définitions des domaines, des ressources elles-mêmes, dans les définitions des mesures de santé aussi, et dans les définitions et dans les mesures, que ce soit pour les ressources et pour les facteurs de santé. Donc il y a vraiment une grande hétérogénéité. Concernant aussi la définition des quartiers, dépendamment des études, c'est défini ou pas, on s'intéresse à l'environnement plus ou moins local. Donc tout ça a une incidence certaine sur la clarté des conclusions des revues que nous avons sélectionnées, puis des conclusions que nous, on peut tirer aussi. Et puis, comme vous l'avez vu, la qualité des revues elles-mêmes était variable. On n'a pas présenté aujourd'hui les résultats de qualité moins bonne parce que ça aurait fait trop de choses pour aujourd'hui. Dans les articles scientifiques, on parlera de ces résultats des études, des revues qui étaient de qualité moins bonne. Quelques conclusions globalement sur les quatre domaines. On peut dire qu'on a trouvé des preuves quand même, dans plusieurs cas, d'une relation écologique entre la disponibilité de ressources locales et l'état de santé. Qu'il y a pas mal de ressources qui sont favorables à la santé. Et que, du coup, l'amélioration de ces ressources dans les quartiers et l'investissement dans ces ressources, ça peut être important à faire pour la santé publique et pour les villes plus généralement. Mais, bien évidemment, quand il s'agit de faire face, en fait, à tous ces défis, pour nous, de la production des données probantes, quand on a vu l'hétérogénéité qu'il y a derrière. Et puis ensuite, à la complexité de la prise de décision basée sur de telles données probantes. Est-ce qu'on doit agir uniquement sur les points rouges? Est-ce qu'on doit tenir compte des résultats qui sont inconsistants? Est-ce qu'il y a plein de questions comment on tient compte de la réalité de notre propre localité, j'allais dire, c'est très anglais, de notre propre environnement localement à Montréal, parce que les résultats qui sont présentés portent sur le monde entier. On est sur des zones urbaines de pays riches, mais on a des résultats qui viennent d'Amérique du Nord, mais aussi d'Europe, d'ailleurs. Donc les réalités sont parfois différentes. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un travail collaboratif avec vous pour faire du sens de tout ça. Puis c'est ce qu'on va faire maintenant. Je pense qu'il y a une petite session de questions de clarification là avant, mais on va pouvoir vous savez. Merci.
Donc, j'en ai deux, en fait. Le premier, c'est pour la mobilité durable. J'étais juste curieuse de comprendre stationnement de rue. J'imagine des autos stationnées dans la rue, là, mais je voyais pas en quoi c'était en fait, favorable à l'activité physique. Alors, ça a été considéré par les auteurs de cette revue comme, en fait, une barrière protectrice, en fait, entre le trottoir puis la circulation des voitures. Donc, à la fois, ça peut... Je me souviens plus s'il y a un picot vert pour la réduction des traumas, par exemple, mais ça peut être vu comme un environnement plus favorable parce qu'on n'est pas directement à côté des voitures, donc c'est plus sécuritaire. Je comprends. C'est comme la ségrégation. C'est pas assez clair. La deuxième question concerne l'environnement alimentaire. Je me demandais si au niveau du marketing, si ça avait été considéré comme une variable au niveau peut-être plus que... Je ne sais pas, en fait. Je me demandais si ça avait été exploré, si c'était dans les éléments. Bien, en fait, on aurait pu regrouper le marketing dans l'environnement socio-culturel, hein, parce que ça rentre dans la norme sociale. Et là, nos filtres ne nous ont pas permis d'aller chercher ces données probantes-là. Merci. D'autres questions qui vous empêcheraient là, de bien vivre le restant de l'après-midi? N'hésitez pas! Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas porté attention, mais dans le feuillet là, sur la vie communautaire, dans le fond, les premières variables, là, capital social, cohésion sociale, voisinage, environnement social, je me disais un petit peu à différents. Comment on différencie en fait, c'est différentes façons de nommer à peu près ce qu'on entend par le capital social, par les relations sociales qui existent dans un milieu. En fait, c'est que on a voulu respecter autant que possible la manière dont les auteurs de ces revues-là ont nommé leurs variables quand c'était possible. Donc, c'est pour ça. Il y a beaucoup, beaucoup de parenté là-dedans. OK? Et les résultats vont à peu près tous dans la même direction. Donc, effectivement, ça se ressemble. Nous, on ne se sentait pas assez solide pour agréger tout ça, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est la qualité de la sociabilité dans un milieu de vie. Bonjour, moi j'ai une question au sujet du logement. Vous n'avez pas inclus une série de variables quand même assez importantes dans la question du logement, ne serait-ce que l'accessibilité, l'abordabilité, et on sait que c'est très, très important. Donc, je ne m'explique pas comment il n'y a pas de revue là-dessus, il n'y a pas de revue littérature là-dessus. Mm-hmm. C'est vrai que c'est surprenant, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, c'est ça, il faut garder en tête, comme ça a été mentionné au tout début, que... Ce que nous, on a présenté, c'est vraiment des résultats de synthèse de la littérature, donc les revues de la littérature. Il y a plusieurs études primaires qui se sont intéressées à ces aspects-là, à l'accessibilité et à l'abordabilité, qui je suis d'accord, qui est super, qui sont deux aspects très importants. Mais malheureusement, après avoir appliqué nos critères d'inclusion, on n'a pas retrouvé de synthèse de la littérature sur ces sujets-là. Mais il y aurait peut-être un lien avec les inégalités aussi. T'sais, dans le sens que ce ne soit pas traité, qu'on n'ait pas fait de revue de ça, là. C'est quand même particulier, surtout que c'est... En tout cas, parce qu'on sait que c'est un déterminant extrêmement important. En tout cas, j'en reviens pas, c'est tout ça. Mais bon, je ne mets pas en doute la qualité de votre travail, là, mais j'en reviens pas que c'est pas... Nous autres non plus, on n'est pas revenus. Effectivement. Moi, j'aurais aimé avoir une précision, en fait, c'est que ça m'appelle à parler plutôt au niveau de l'environnement alimentaire. Où j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations sur le constat qui dit que, par exemple, les restaurants sont favorables au poids santé des familles. En fait, on ne peut pas dire que les restaurants sont favorables au poids des familles. En fait, c'est la colonne où est-ce qu'on voit l'équivalent d'une famille. C'est qu'on a agrégé les résultats des études. Il faut avoir des études qui portaient seulement sur les enfants. Où est-ce qu'on traitait les conclusions en même temps que celles des adultes? Donc, c'est juste qu'on n'était pas capable de les départager. Les auteurs de ces revues-là ne les ont pas départagées. Mais les restaurants, les autres types de restaurants, autres que fast-food, donc avec service au table, là, en général,
bien, ça semblait être associé plus positivement au maintien d'un poids santé que les restaurants minutes. Merci. Moi, j'aimerais rajouter juste une considération générale pour avoir supervisé l'ensemble du travail. Ce qu'il faut bien, il faut, à mon avis, retenir trois choses de ça. D'abord, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la façon de mesurer tout ça. Donc, il n'y a pas deux chercheurs qui mesurent les choses de la même façon. Et quand on essaie d'agréger les résultats, on fait face à beaucoup de points gris. Ce qui veut dire que quand on trouve un point rouge ou un point vert, ça veut dire beaucoup parce que l'hétérogénéité ferait en sorte qu'on ne retrouverait que du gris. OK? Plus on a d'hétérogénéité entre des choses, moins on est capable de dire ça va dans telle direction, dans telle autre direction. Donc, la première chose, c'est les points rouges et les points verts. Ils se démarquent parce que il y avait tout pour être gris. Ça, c'est la première chose. Cette hétérogénéité-là aussi, moi, m'amène à dire, lorsque vous trouvez une revue synthèse de littérature sur ce genre de choses-là, demandez-vous, posez-vous des questions ou allez chercher la synthèse qui fait votre affaire pour la décision que vous avez à prendre, si vous êtes pour ne vous fier qu'à une seule synthèse. En fait, si vous prenez des synthèses différentes, vous allez arriver à des résultats différents, des actions différentes. Donc, puis, ce qui est intéressant cependant, c'est qu'il n'y a pas de domaine pour lequel il n'y a qu'une seule synthèse. Donc, c'est des résultats qui sont nuancés, qui sont annuancés. Puis évidemment, la troisième conclusion générale, c'est « more research is needed ». Puis des façons de définir les choses, des façons de définir les choses qui vont amener moins d'hétérogénéité dans tout ça et qui vont amener finalement plus de rouge ou de vert, mais moins de gris. Et ça, la façon de définir les choses, je pense que les praticiens ont beaucoup à dire là-dessus, les praticiens, les décideurs, parce que finalement, faites savoir ce qui vous est utile. Petite dernière, oui, parce que là, j'ai une note pour l'environnement alimentaire, surtout au niveau de la qualité de l'offre alimentaire, est-ce que dans les études, ça a été vérifié, parce que là, avec tout le scandale, je vais le nommer, là, mais Coca-Cola qui a financé plein d'études en alimentaire, donc est-ce que ça a été évacué, les conflits d'intérêts potentiels pour éliminer certaines zones grises qui auraient pu être rouges? Alors, je me tourne vers notre méthodologiste en chef. Est-ce que les conflits d'intérêts, en fait, dans la grille de Amstar qu'on a pris pour qualifier la qualité, justement, des revues, il y a un des 11 critères qui était sur les déclarations de conflits d'intérêts. Mais là, nous, ce qu'on a regardé, c'est est-ce que les auteurs ont déclaré les conflits d'intérêts potentiels? Oui ou non? Donc, c'est ce que je... C'est ça, exactement. Donc, c'est ce qu'on a pour ça. Et par rapport à la qualité de l'offre alimentaire, la façon que c'était mesuré, c'est avec des grilles d'observation. Donc, c'est des grilles d'observation que les chercheurs se font. Souvent, chaque équipe de recherche va faire sa propre grille. Les grilles ne sont pas nécessairement tout le temps validées d'un chercheur à l'autre. Bref, il y a comme beaucoup d'hétérogénéité, comme Louise disait. Puis là, on s'est promené dans des commerces pour cocher oui, cocher non, puis faire des indicateurs de qualité de l'offre alimentaire. C'est comme ça qu'on a fait.